Broyet est vice-président du comité de Broyet, responsable du secteur de Brie-sous-Forêt. Jean-Pierre de Manèze est né le 21 mars 1938 à Puteaux, à l'époque département de la Seine, aujourd'hui des Hauts-de-Seine. Appelé sous les drapeaux, il fait ses classes à Maison Lafitte, dans l'ancienne Seine-et-Oise, aujourd'hui dans les Yvelines, le 8 juillet 1958, au 3e RIMA. Désigné pour l'Algérie, pour faire partie du plan Joinville-V, mis en route vers le DIM de Marseille le 11 novembre 1958, il embarque à Marseille le 13 novembre 1958, débarque à Philippeville le 14 novembre 1958. Il rejoint le 47e EBI, première compagnie basée à Enoukaya. Suite au plan Marshall, la première compagnie fut transformée en commando de chasse V-34. Il passe son diplôme de transmission à Batna, devient radio au commando de chasse V-34 le 29 août 1959. Blessé par éclat de grenade à la jambe gauche lors du bouclage de la Palmeraie de Djemora. Renvoyé dans ses foyers le 18 octobre 1960, embarque à Philippeville le 20 octobre 1960, arrive à Marseille le 21 octobre 1960. Titulaire du titre de reconnaissance de la nation, donnant droit au port de la médaille du titre de reconnaissance de la nation, titulaire de la médaille commémorative des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec Agrafe, Algérie, titulaire de la Croix du combattant, par ordre général numéro 47 du 17 mars 1960, citation comportant l'attribution de la Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze. La médaille militaire lui est concédée par décret du 5 février 1979 du président de la République, enregistré sous le numéro 249 MR79. Deuxième classe de Manège Jean-Pierre. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Claude René Gillet.